nous en grève. Nous en grève à Orange parce que nous ne pouvons pas comprendre en qui gens, en société, qui a fait 365 millions de chiffres d'affaires, ne peut pas appliquer la Corbino en Guadeloupe. Depuis décembre, nous commençons NAO. Nous commençons NAO, ça a passé aux gens, nous j'en savons. Nous j'en ai en direct, nous avons un t-shirt en moins. Monsieur gay. Monsieur, il va calaguer en maille. Il va venir pour négocier, il vient pour appliquer. C'est un dictateur. Nous déjà savons ça. Les janvier arrivés, monsieur a dit nous. Je vais suspendre les négociations annuelles parce qu'il faut tenir compte des effets de la crise économique mondiale à Orange Caraïbes, messieurs. Nous dit, messieurs, arrêtez de faire cinéma. Il faut y venir négocier. Il dit, nous, non, 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 ça a passé. Bon, finalement, grève est arrivée. Tout le monde est pris en juin. Nous reprenons les négociations. Monsieur Lavin, il dit, nous, bon. Eh bien, par rapport au NAO, on va vous proposer l'accord du collectif du 5 février. Nous dit, monsieur, mais non, ça n'est pas possible. Nous en NAO, nous pas en bino, nous pas en collectif, nous en NAO. Monsieur l'a dit, nous, non, mais c'est l'accord du collectif du 5 février parce que nous sommes au MEDEF et comme le MEDEF a signé en Martinique. Je dis, mais nous ne payons pas à en Martinique, siège à Orange, c'est Guadeloupe. Donc, il y a un problème. Réunion après, monsieur dit nous, bon, on attend l'extension, ce soit Bino, soit l'accord du collectif. Nous dit, mais ça ne peut pas faire, nous en NAO, nous pas en Bino. Et c'est comme ça que grève la partie. Parce que nous avons l'inspection du travail, nous avons les juristes, nous avons tout le monde qui dit non, mais. NAO et Bino, c'est des bidets qui sont différents. Donc, depuis deux semaines, là, ça fait trois semaines, nous en grève, parce que monsieur, il fait ça, il veut. Il ne veut pas négocier. Il veut nous signer proposition A. Or, à des négociations, normalement, négociation NAO, c'est les salariés qui apportent des revendications, et à partir de base d'Ala, eh bien, nous allons négocier. Mais monsieur, non, c'est. Bidai, il veut nous appliquer. Donc, depuis nous entrons en négociation, monsieur dit nous, j'ai qu'à faire ça en vle, sinon, PV de désaccord. Il dit, monsieur, ben, aïe, nous caillons PV de désaccord. Mais comme monsieur Gay, c'est dictateur Orange Caraïbe, il est au-dessus de la Guadeloupe, il est au-dessus de le préfet, parce que il a dit nous, depuis là, le préfet a dit, rester à casa zot, pas sorti, machin. Mais si dit nous, non, mais il faut poser un RTT, mais il faut déposer des congés, mais il faut ceci, mais il faut cela. Monsieur au-dessus de tout le monde, l'État, préfet, spectacle, tout le monde. Et là, il a dit nous, que comme nous avons des accords sur les NAO, ça peut faire, c'est des bidets qui peut faire, nous savons que NAO n'a pas une obligation de résultat. Nous connaissons ça. Mais monsieur là, il a dit nous, que à dans décision unilatérale il a pris, il a décidé unilatéralement de appliquer à Corbino en juin. C'est-à-dire que lui tout seul, il a décidé que au titre des accords interprofessionnels, il a ben nous 2% seulement parce que c'est ça il dit, c'est comme ça qu'a fait, c'est les gens ils décidaient. Là, il dit nous qu'il y a un meeting LKP, nous dit nous qu'il y a des sons, pour faire ça profiter, faire ça comprendre qu'il y a passé à Orange Caraïbes. Parce que tout le monde qui a vu, mon Orange bien, tout le monde qui a passé bien, c'est des gens qui sont bien, c'est des gens qui ont un bel salaire, etc. etc., etc. À part tout dit l'argent, il faut regarder aussi ça qui a passé en société là. Eh bien, aller là en société, c'est harcèlement qui a parlé. Harcèlement qui a parlé. Moun anti-jean, moun pa ka soti yo bien dans le travail là. Et monsieur qui a fait ça, il veut, Jean il veut. Donc ça veut dire que qui CE, qui CHSCT, qui DP, qui délégué syndicaux, monsieur s'en foutait de tous ces moun là. Il a fait ça, il veut. Dernièrement là, nous tenons
en prestataire, cordon Caraïbes, c'est autres, certainement sont connaître lui, c'est là qu'on a mené pour tabazot, là il y a un problème. C'est prestataire en nous. Et bien, cordon est en grève. Et bien, quand monsieur a décidé, il a trouvé Adam, loco à Orange Caraïbe, en côté pour y mettre ses moun cordon. Sans dire pour moun rien. Et jusqu'à entrer dans des grèves qui bataillent pour casser grève là. Donc nous dit monsieur que ça suffit, nous bon avec ça. Et depuis aller là, nous en grève et nous mobiliser plus que jamais, puisque aller là, monsieur Gega dit nous qu'il pas connaît Bino, il pas en Guadeloupe là sa fête, il pas connaît qu'il passé et il pas veut appliquer à Bino puisque il a décidé de faire ça il fait. Donc nous mobiliser, nous j'ai vraiment qu'à passer qu'à ben nous force, mais faut continuer ben nous force parce que c'est un seul lionnage. En faisant nous ni des camarades à bord qui en grève, donc nous avons bien senti que c'est un seul lionnage que nous ni et nous avons des forces à toutes parce que c'est force à tout le monde qui peut faire nous gagner. Donc c'est sans tenir à 10 autres parce que allez là, nous bon avec monsieur, nous bon avec les pratiques qui a fait à Orange Caraïbes et nous j'a savent quelqu'un attend nous. Donc on j'a dit ça sur les médias, peut-être que des monde qui attendent, mais nous savent qu'à Orange Caraïbes c'est qu'à attend nous, c'est une fusion avec Fausse Télécom. Parce que yo veut faire un seul opérateur pour mobile, fixe, internet, tout bitin. Et nous j'a savent que c'est l'entonnoir au bout, que qu'il y a une suppression de postes.